Serge, j'écoute. Oui, bonsoir patron, c'est les yeux au téléphone. Alors de notre côté, tout est ok, hein. Alors les paupières sont fermées, les pupilles humectées, les iris reposées, vous pouvez balancer le film. Bravo les gars, je suis fier de vous, c'est du très bon travail. Au niveau du rêve de ce soir, j'ai une proposition, un truc bien tranquille. Il est sur une barque, au milieu d'un lac, posé, il est en train de pêcher du poisson. Et si t'as deux secondes, j'ai un double appel. Cerveau ? Ouais, salut, c'est la dépression. Alors je sais que mon avis compte pas parce que je suis qu'une merde et que globalement, bon, bah, tout le monde s'en fout. Mais bon, j'ai quand même une idée pour le rêve de ce soir. Il est dans sa cuisine, c'est son anniversaire. Il est avec son papa, il y a un gâteau. Et tout d'un coup, on apprend que ses amis ne viendront pas parce qu'il a pas d'amis et que de toute façon, même son père il l'aime pas et que c'est qu'une merde. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition de rêve ? Absolument pas. Eh bah, tant pis, j'appelle le réalisateur. Cerveau ? Ma que pronto, si está el réalisateur de tes rêves. Oui, oui, je sais, c'est moi qui t'appelle. Moi, que c'est la vérité, ça. Bon, qu'est-ce que toi prévu pour ce soir? C'est quoi les scénarios? Cuisine, gâteau, papa, anniversaire, pas d'amis, grosse merde. Bah, que ça ne va pas du tout, ton scénario, là-haut. On dirait un film franco-allemand sur Arte. Non, 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 non. Moi, je veux de la féerie. Moi, je veux de la magie. Je veux de l'espionnage. Je veux une course-poursuite avec voiture qui explose et placement de produits. Ouais, bah, je suis désolé, mais on n'a pas le budget. Même pas en rêve. Yes, oui, dessous. Très dessous, même. Mais bon, hey, c'est toi le patron, hein. Ok. Bon, silence, moteur, y actionne! Joyeux anniversaire, fiston. Mange ton gâteau. Et puis, où sont tes amis, là? Tes compagnons, tes complices d'école? Tes petits copains? Ils ne vont... tout autre synonyme qui me viendrait. Ils ne vont pas tarder. Tu mens à ton propre père. Tu te rends compte du mal que tu me fais? Une humiliation de plus? Après t'avoir élevé à la sueur de mon front avec ta maman? Oui, c'est vrai, je t'ai menti. Je n'ai pas d'amis. Plus j'y pense et plus je me dis que je ne t'aime pas. Du tout. Tiens, voilà ton cadeau. Pourquoi un flamant rose? Ah, je sais pas, il aime bien, c'est conceptuel. Magie, enfance, peluche, flamant rose, gay pride quoi. Ça va pas du tout, putain! C'est vrai que c'est pas foufou quoi. Eh bah écoutez, pour une fois, moi je suis d'accord, hein, il nous faut autre chose. Cerveau? Salut, c'est la mémoire! Eh bah cool, il manquait plus que toi. Le rêve intervient toujours durant le sommeil paradoxal et il est indispensable à l'équilibre psychique. Va dormir dans l'océan, tu seras gentil et fais-toi bouffer par un requin. Cerveau? Salut, c'est la parano! J'ai vu un moustique. Alors j'ai une super idée. En fait, pour le film, son père, c'est pas son père. C'est un tueur en série qui tue les gens avec un hachoir le jour de leur anniversaire. On va pas faire ça, c'est trop flippant. Ah mais si, moi j'adore, c'est hyper conceptuel. Paternité, Xavier Dolan et... tueur en série, bref. Je suis pas d'accord. Silence, moteur, y actionne. Qui a écrit les dialogues? Et puis attends, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que le père il arrive pas à l'attraper vu que le mec il avance pas? Mais c'est conceptuel, c'est fait pour monter l'attention. Angoisse, Hitchcock, tueur en série qui avance pas vite, fous-moi la paix. Et ça n'a aucun sens. On y retourne. Actionne. Oui, mais grâce à la pommade, y'a pas de mal, j'ai plus mal. Dites adieu à vos bleus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une pub que j'ai vue à la télé, je me suis dit que j'allais la mettre dans le film parce que je trouve ça... conceptuel, c'est ça? Ah non, j'ai trouvé ça juste rigolo. Humour, gag, rupture... Bon, pub pour la pommade. Bon, ça va pas du tout, on passe à autre chose. Cerveau? Salut mon petit cul, c'est la libido. Putain, je sens qu'on va encore devoir laver les draps. Alors moi, je propose un rêve. Tout ce qu'il y a de plus basique. Bah ouais. Mais ouais bonhomme, t'inquiète pas, moi aussi je suis cinéphile, alors écoute bien. C'est l'été. Crépuscule. Il s'endort doucement dans un lit. On entend les oiseaux, la lumière vient caresser sa peau. Il s'endort paisiblement avec son nounours. Et il le baise! On ne fera jamais ça, tu m'entends? Et actionne! Ah ouais! Yes! Mais putain, mais c'est quoi ton problème avec les flamants roses là? Tout me laisse exprimer ma sensibilité artistique, oh! Moi j'aime bien, c'est conceptuel. Sensualité, ambiguïté, érotisme, mec qui baise un flamant rose. Le flamant rose se nourrit essentiellement de crevettes, ce qui lui donne cette apparence colorée. Est-ce qu'on peut avoir la fin où il lui crache dans le bec? Fermez tous vos putains de gueules, c'est moi qui commande, d'accord? On change de rêve parce que là ça va nulle part. Cerveau. Oh oui, bonjour, c'est le romantisme. J'ai une super idée, il faut qu'il rêve d'une histoire d'amour. Il est au coin du feu, avec un verre de rouge, et il déclare sa flamme à une fille magnifique. Ça dépend, est-ce qu'il la déglingue après? Non, il la
mâchoire. Oh, mais là, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, tant qu'il n'y a pas de flamant rose. Actionne. Tu sais, Jessica, je passe vraiment une très bonne soirée. Tu es une personne extraordinaire. Mais... Alors on se fait chier là! Il aime très bien du piment, mais figure-toi que le grand patron n'a pas envie. On la ferme et on regarde! J'aimerais qu'on aille plus loin, toi et moi. Vraiment plus loin. Tu n'es qu'une merde, fiston. Papa? Putain! Ah bah là, c'est parfait! On arrête ça immédiatement! Actionne! Je vais te faire bobo. C'est pas grave, puisque j'ai de la pommade. Je vais te tuer et par la suite, tu vas mourir. Actionne! Bon bah là je démissionne, hein, je vois pas d'autre solution. Eh bah reconnais que c'est quand même vachement bien. Actionne. Faire un câlin à papa. Mais papa. Bon, vous savez quoi, vous m'avez tous saoulé, je déclenche le réveil. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, faites pas ça. Tu fais chier, patron. Quand on se réveille, on dort plus. Je viens de faire un rêve trop chelou là. Moi je t'assure mec, j'étais au bord du feu avec mon père qui voulait me buter avec de la pommade. Et je crois que je baisais un flamant rose aussi. Tu crois que c'était prémonitoire ?